Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon intro est copyrighté, donc je chante à la place. Non, 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 non. Je voulais changer d'intro parce que de base en fait j'avais la flemme de mettre une musique qui n'était pas copyrightée. Mais dans ma dernière vidéo j'ai essayé de remplacer avec une autre musique et c'était mon putain de tribunal. Du coup bah je vais garder mon truc copyrighté. Parce que oui je sais je chante trop bien, ma petite voix douce et tout ça vous fait des petits frissons dans les oreilles. Bref, hors sujet. Je pense que vous avez remarqué ces derniers temps j'ai un peu changé la façon de me vêtir. C'est vrai que je reçois beaucoup de compliments. Bon j'en reçois pas des masses, enfin principalement de ma mère et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur le style vestimentaire parce que vous adorez ça, j'adore ça, c'est un peu un combo gagnant et c'est vrai qu'il y avait une période genre l'année dernière j'essayais un peu de me trouver genre par exemple quand j'ai fait une vidéo une semaine tenue post-bac au lycée. Je suis très heureuse de vous annoncer que le jour arriva. J'étais avec ma soeur en train de faire les boutiques et j'ai vu un pull, j'étais genre waouh il est vraiment mignon genre cute, je sais pas c'est pas Anab et c'est le jour où j'ai su que j'avais enfin mon style. Il y a eu une route assez douloureuse pour arriver jusqu'ici mais du coup j'ai récolté 2-3 connaissances, 2-3 petits tips and tricks. Après je dis pas que mon style c'est the way to go. Je sais qu'il y a des gens ils sont super chic, raffinés, couleur sobre, élégant. Ce n'est pas moi. Bonsoir et bienvenue dans les conseils d'Anab. Je sais pas si je suis censée porter les petites lunettes sur le nez genre... Non, je suis mieux comme ça. Le premier conseil, je pense qui m'a plus chouque, c'était qu'avant en fait, je mettais mon nouveau petit pull. J'étais genre, je suis un peu cute dedans, un peu une fashionista. Je révolutionne le monde de la mode. Mon mom jeans, mes baskets, et je me sentais fraîche. Mais en fait, il y avait un truc qui manquait pendant toutes ces années. Et c'est vraiment vous qui m'avez fait ouvrir les yeux. C'est les accessoires. Ceinture, chaîne, collier, boucle d'oreille. Et c'est vraiment ça en fait qui va rendre une tenue d'un 5 à un 7,5. Donc faites attention, c'est là où vous perdez les points. Puis après, ce qui a un peu révolutionné le monde de la fashion, c'est quand j'ai arrêté de porter des skinny jeans. Après ça, c'est mon opinion personnelle. Je pense que je vais offender beaucoup d'entre vous. Je pouvais pas vivre sans. Genre j'aimais bien être serrée de tous les sens. On voit aucune ridule de mon jean, genre tout lisse. Je pouvais limite pas respirer. Ça ne me mettait pas en valeur. J'avais l'impression d'être un bâton. Du coup... Maintenant ce que je fais c'est que je mets des pantalons larges. Et en général quand tu mets quelque chose de large en bas, il faut mettre quelque chose de plutôt serré en haut. Ou l'inverse si tu mets quelque chose de serré en bas. Mais ça franchement Anab elle vous dit d'éviter. Mais après si vous vous aimez bien, vous kiffez, vous vous sentez à l'aise, mettez un truc serré en bas et large en haut. Mais moi personnellement c'est vrai que ça m'arrive des jours où je fais tout large. Genre gros pull, gros pantalon, gros chaussures et je me sens bien. Petit life hack si vous voulez porter un pull oversize mais vous voulez une jolie petite silhouette, vous allez prendre un élastique. Donc celui-ci vient de Primark, normalement c'est pour la tête. Et vous le mettez autour de votre corps, vous rentrez le pull dedans et le tour est joué. Les tailles. Pour les hauts, je sais que moi je peux porter du n'importe combien. Genre je regarde pas les chiffres, je porte des pulls de 40, j'ai un manteau 44 je crois. C'est vrai que moi je me range pas dans une boîte. Bah moi j'aime bien mettre un peu de couleur dans la vie. C'est vrai que ouais c'est un peu fade le monde en général. C'est pas très fun et fantasy et licorne. Et du coup je me dis pourquoi pas mettre un petit t-shirt rose aujourd'hui. Un autre conseil que j'ai appliqué à ma vie il y a pas très longtemps, que je faisais pas avant en fait, c'est vraiment de mettre des couches d'habits. Je sais vraiment pas c'était quoi l'élément déclencheur. Avant je portais trop attention sur ce que les gens allaient dire autour de moi, mais genre... Et du jour au lendemain franchement je m'en battais les couilles. Mais si tu veux tu peux. Si tu veux en fait t'as déjà fait le plus grand pas. Si t'as envie de sortir comme ça tu te dis ah oh, ce pantalon il est trop mimes. Mais franchement j'ai un peu peur de la vie de Paul-Pierre-Jacques. Là il y a la ligne d'arrivée. Et toi t'as vraiment fait toute la course. Il te reste juste genre un pas à franchir. Et ce pas à franchir, un jour tu le franchiras dans pas longtemps, je te promets. Tu oublieras tout l'effort que t'as fait pour être là. Genre ça va être juste naturel pour toi en fait. Je suis vraiment en train de dire des belles choses. Victor Hugo can't fuck with me. Et du coup le dernier conseil ça va vraiment être de privilégier seconde main. Surtout les trucs basiques. Ces trucs là tu peux grave les trouver facilement en friperie ou sur des sites tels que Vinted, Depop et tout la tralala. Ça se dit ça? Mais franchement c'est grave une bonne activité. C'est un peu comme Pokémon Go quand c'était à la mode. T'as pas trouvé le Pikachu aujourd'hui mais tu le trouveras dans une semaine. Je vous présente des pépites que j'ai moi-même trouvées en friperie. Waouh. Du coup voilà, il me semble que j'ai donné tous mes meilleurs conseils. Je peux enfin retrouver ma vision. Et du coup voilà, la première étape pour cette amélioration du style vestimentaire, ça va être de faire les friperies. C'était quoi ce mouvement bizarre?
t'es belle. C'est bizarre. Non, t'es belle. Tu ressembles à un gland. Thomas. Dans ma classe, on a un bal. Je sais pas, j'ai trouvé ma robe, la perle. Ouais, pas mal. Mom s'est trouvé un petit t-shirt à 2€. Cute. Moi j'ai rien trouvé pour moi là-dedans. Même au rayon homme, c'est vraiment la dèche. On va chercher un bouquin. What not to wear. Oh putain, c'est pour ma vidéo ça. Voici nos fashion icons. Il faut porter des longues boucles d'oreilles. Ton loupe, quoi. Ces conseils ils sont pas ouf. J'en ai des meilleurs. Waouh. Très high beast. Rawr. Le temps aujourd'hui il est ouf. Rough. Maman, on a raté la boutique. J'aime la vie, hein. Je sais pas comment je me ressens face à ce pull. Je sais pas s'il est bizarre ou si vintage. On va demander à ma mère. Maman, t'aimes bien? Ah, ça va, je comprends pas. J'ai la flemme d'enlever mes habits. Ce polo, j'étais genre dans une autre vie, j'aurais kiffé. Comment tu fais pas? Mais on a qu'une vie. Donc est-ce que je kiffe? Non, maintenant, aujourd'hui. My fashion icon right there. Fresh kids. Le shopping était très successful. Je reviens des friperies. Si vous attendez les gens, vous reconnaissez le même angle, la même gueule, le même éclairage. Et non, en fait, c'est la magie de YouTube, je suis toute la même journée. Premièrement, ce que j'ai acheté, c'est un pull. Waouh, waouh, waouh. Rouge, couleur d'une femme fatale. De la marque Burberry. Est-ce que je l'ai acheté parce que c'est de la marque Burberry? Sans doute, on le saura jamais. De taille 44, pour vous dire en fait que ouais, les numéros et moi, ça s'aligne pas trop. Je pense c'est pour ça que je suis vraiment très nulle en maths. Mais voilà, je suis fan de ça. C'est sans doute une grand-mère qui a porté ça avant moi, donc je vais éviter de trop le toucher avant de le laver. Ce pull, il coûtait 6€. Je me suis trouvé une petite chemisette. Ils vendent ça genre à 25€ à Brandy Melville. Et non, 4€, bonsoir. J'ai fait un peu de bricolage. En fait, je sais pas couper droit, donc je sais pas pourquoi je me suis aventurée, mais c'est une calamité. Du coup ma mère va retoucher ça parce que là c'est pas très carré tout ça. Très mignon sinon, la couleur a fait un peu sapin de Noël, Christmas vibes avant l'heure. Les deux prochains articles j'étais pas trop sûre, mais je suis grave contente de les avoir achetés. Nous avons un petit pull à capuche. Je me suis posée, je me suis dit est-ce que c'est Annabelle. Et finalement je sais pas franchement c'est... Bon, on va arrêter de faire ce caprice. Je me suis dit pour une journée où je m'en bats les couilles de la vie, je vais être au chaud, ça va être the way to go. Et il m'a coûté 7€. Ça me fait des flashbacks. Mais je suis une sorte qui touche moi. Et pour finir, une petite chemisette Ralph Lauren, ma gueule. Des petits strass, un petit moment ici pas été. Waouh, la discothèque. Ouais. Nanana, poké. Ferme la porte. Poké en 5. Je sais pas c'est quoi les paroles. C'est genre poké. Mon repas préféré, poké. Du coup voilà, ça fait très professeur violet. Est-ce que c'est ma couleur? Je ne pense pas. Mais comme je vous l'ai dit, on vit dans un monde sombre. Faut mettre un peu de joie là-dedans. Ça non plus, j'étais pas trop sûre. Et finalement, je l'ai pris. Je ne regrette rien. Bref, c'est pas que j'ai d'autres choses à faire que me poser sur mon canapé et vous papoter. Ça va pas la tête. C'est vraiment une maison de fou ici. Je vais aller en ville. Je vous emmène avec moi. C'est dimanche, qui a fait aucun devoir. Mouah. Grafton, welcome. Qu'est-ce que tu fais, hein? Bientôt arrivé à la destination. J'espère qu'on va trouver des trucs. Ça fait super beau sur des gens et moi je sens la faim. De rentrer, l'éclairage il est pas ouf, mais on va faire avec les moyens du bord. Je vais vous montrer mes petits achats. Je suis seulement allée à Urban Outfitters parce que on va commencer avec les trucs nuls. J'ai acheté des chaussettes et je les ai essayées dans la voiture. Donc nous avons premièrement Yet France, ça veut dire quelque chose en français. C'est un peu le slogan de Urban Outfitters, partout ils mettent ça. Du coup voilà, on a des chaussettes et j'ai aussi pris des petites chaussettes. Elles sont adorables. Je me vois trop avec mon pull Burberry. Et ça. Bon, le seul article en fait d'habits que j'ai acheté, c'est ça. Bah là, ça lui rend pas trop justice. Écoutez, c'était en solde et ça coûtait 19€ au lieu de 35. J'ai un t-shirt en particulier que je compte mettre par-dessus. Et pour finir, j'ai pris une bouillotte avocat. Je suis ce genre de personne. Vraiment, j'achète des trucs très utiles dans ma vie, mais
En fait, j'envisageais d'utiliser... D'ailleurs, faut que je coupe sa queue, c'est un peu mâche. Putain, tous les devoirs que je dois faire. Je me voyais trop en cours avec. Et je me suis dit, ça va rendre cette période un peu sombre plus joyeuse. Du coup voilà, la vidéo est terminée, c'est pas que je vous aime pas, hein. Vraiment je vous adore, mais j'ai la tonne de devoirs à faire pour demain. Mais heureusement que j'ai ma quiche pour m'aider. Et du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, bisous.